Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak. Aujourd'hui, une édition spéciale 1er mai, la fête du travail. Et on va parler solidarité et renvoi d'ascenseur. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, c'est le dernier jour d'un long week-end de 3 jours. Le week-end du 1er mai, qui est un peu le point médian entre les deux tours de la présidentielle. Alors, j'ai pas de télé volontairement pour éviter tout le brouhaha médiatique et aussi toutes les merdes que ça veut dire à droite à gauche. Pour moi, il y a deux sortes de personnes. Il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui font. Et moi, bien sûr, je suis plutôt ceux qui font et qui parlent des trucs qu'ils font. Et justement, on parle de présidentielle. Souvent, il y a beaucoup de paroles et des actes un tout petit peu moins. Les gens parlent. Et quand il faut passer aux actes, c'est beaucoup plus difficile. Si je vous parle de ça, c'est parce qu'hier, j'étais en train de finir le montage de l'épisode 180. Et donc, en attendant que des rendus intermédiaires soient faits, j'ai commencé à aller dans mes abonnements et à regarder les vidéos que j'avais pas encore vues. Une des vidéos sur lesquelles je suis tombé, c'est une vidéo des copeaux de Nico qui n'avait plus posté depuis un certain moment et qui a comme titre « J'ai besoin de vous pour sauver ma famille ». Comme beaucoup, je pensais que c'était un titre un peu putassier et putaclic pour avoir plus de vues, tout simplement. Et en fait, pas du tout. En gros, il raconte l'histoire, enfin, il raconte ce qui se passe à Patrick et Muriel, qui sont des exploitants agricoles, qui galèrent et qui, dans les semaines qui viennent, vont se faire jeter de leur baraque, en gros, parce qu'ils ne gagnent pas assez d'argent et ils n'arrivent pas à rembourser leur dette. Ma réaction, bien sûr, ça a été « fuck ». Et surtout, ça m'a retransporté quelques années auparavant, un peu plus de 3 ans, où j'étais à la campagne, où je galérais, je gagnais pas de pognon, où j'étais obligé de revenir en région parisienne pour trouver du boulot. Et encore, moi, j'ai de la chance. J'ai réussi à retrouver relativement facilement du boulot en quelques jours. Et j'ai pensé à tous ceux qui m'ont filé un coup de main. Aussi bien en m'envoyant un message qu'en me filant du pognon, quand j'en avais besoin. Donc, j'ai sorti ma carte bleue et j'ai participé à la cagnotte que Nicolas a mis en place pour sa famille, enfin pour ces gens-là. Le but est potentiellement de pouvoir racheter leur baraque qui va être mise en vente. Et s'il n'y a pas assez, c'est juste de leur donner un peu de pognon pour qu'ils puissent respirer un petit peu. Je connais pas spécialement ces gens, Patrick et Muriel, mais leur histoire m'est plus que familière. Et ça m'a renvoyé il y a quelques années où vraiment j'ai pu faire le tri entre les gens justement qui parlent et qui disent vraiment ce qui t'arrive c'est terrible et ceux qui font, c'est-à-dire peut-être pas grand chose, mais permettent de s'en sortir un tout petit peu. Donc, en mémoire à tous ceux qui m'ont aidé pendant cette petite période de galère, j'ai filé un peu de pognon et je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo, puisque on est en début de mois, on est le 1er mai, et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont un tout petit peu d'argent qui pourraient éventuellement filer. C'est pas spécialement des grosses sommes, le but c'est vraiment pas de dépenser des millions, mais c'est de dire, voilà, j'ai 1 euro, j'ai 5 euros, j'ai 10 euros, et je vais filer ça à Patrick et Muriel pour essayer de leur filer un petit coup de main et pour relancer la roue du karma dans leur sens. Si vous n'avez pas de pognon, c'est pas grave, vous pouvez aussi leur envoyer un petit message. Sur le Litchi, il y a un truc pour leur envoyer un message ou pour faire un commentaire. Je sais par expérience que ça fait toujours super plaisir de voir qu'il y a des gens qui ne nous oublient pas
et qui pensent à nous. Vous pouvez aussi bien sûr partager ça sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc., etc., pour que d'autres gens éventuellement puissent participer à la collecte. Voilà, montrons-leur ce que c'est qu'une vraie communauté de barbus, des gens qui font et qui parlent pas, enfin, ou qui parlent parce qu'ils ont fait des bidules. Donc sortez votre carte bleue et faisons ce que la société et le gouvernement n'arrivent pas à faire, à aider des agriculteurs en difficulté parce que les banques essayent de les virer de chez eux. Ok, c'est pas un sujet très fun pour le 1er mai, mais c'est un sujet qui, même si je ne les connais pas personnellement, me parle. Donc, voilà. C'est difficile comme sujet, et de parler de ces trucs-là. Comme d'habitude, bien sûr, des questions, des insultes, vous savez comment faire. Les commentaires, vous vous abonnez, vous sortez votre carte bleue et vous allez tout de suite sur le Litchi pour filer quelques euros aux aminges qui en ont besoin. Et puis comme d'habitude, inspirez-vous, faites des trucs et que la barbitude soit avec vous.